est très heureux de vous accueillir pour ce temps de culte musical. Alors vous avez pu lire les annonces en arrivant sur le panneau. Une précision et une rectification, c'est que le dimanche prochain, le culte a lieu à l'espace Bancel et non pas ici. Vous avez un certain nombre d'informations, vous trouverez à la sortie la documentation si vous voulez l'emmener. Également, pour l'offrande, elle sera recueillie à la sortie du culte, dans les corbeilles, voilà, à la fin de ce culte. Nous allons écouter l'orgue qui nous invite à rentrer dans ce temps de culte. Thank you.
Nous sommes heureux de vous accueillir, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous accueille. C'est lui qui nous rassemble. C'est lui qui réunit nos individualités, qui provoque notre rencontre, qui harmonise nos voix. C'est lui qui nous met en musique, ensemble. Sa grâce et sa paix nous sont données. Que son amour nous unisse, que sa présence nous réconforte, que sa parole mette en musique nos vies. Avant de laisser la parole à Christiane qui va vous présenter ce culte, je remercie le quintet de la paroisse, Hélène Vial, Sylviane Balboni, Freddy Benz, Gilles Balboni et moi-même, Hélène de Guillaume, parce qu'il faut faire cinq. Et je remercie bien sûr Christiane Gauthier à l'orgue. Et Christiane est aussi l'auteur des trois textes poétiques que vous entendrez pendant ce culte. Nous vous inviterons à certains moments à nous rejoindre pour chanter avec nous. Et à ce moment-là, les paroles s'afficheront sur les écrans. Et à ce moment-là, vous pourrez vous lever. Bonsoir. Comme vous le savez certainement, à la Réformation en 1517 a été entre autres l'occasion pour Martin Luther et des musiciens de ses amis de créer une nouvelle forme de cantique, les chorales. Le but était de favoriser la participation de tous les fidèles avec des chants faciles à mémoriser, au rythme et aux mélodies simples. Cette forme musicale a eu un grand succès et est considérée par tous les musicologues comme une date importante de l'histoire de la musique. Par la suite, de nombreux compositeurs se sont inspirés de ces thèmes, de ces chorales, pour construire des œuvres importantes. Nous souhaitons ce soir illustrer ce fait en mettant en regard quelques cantiques figurant encore dans nos recueils, et quelques pièces d'orgue composées sur les mêmes thèmes. Les compositeurs évoqués seront Jean-Sébastien Bach, que vous avez déjà entendu en entrée, Johann Pachelbel, Johann Ludwig Krebs, qui était un élève de Bach, Georg Philipp Telemann, et plus proche de nous, puisque contemporain, Lionel Rogue. Mais il y en a beaucoup d'autres. Nous lisons au psaume 36, les versets 6 à 10. Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta loyauté va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme le grand océan. Seigneur, tu viens au secours des hommes et des bêtes. Que ta bonté est précieuse, ô Dieu. Les humains cherchent refuge sous tes ailes. Tu les combles des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de ta bonté. C'est chez toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie.
Seigneur, écoute, mon Père et mon Dieu, tu connais si bien toute ma faiblesse. Mieux que moi, du haut des cieux, tu sais les vraies causes de ma tristesse. Oh, comme elle est grande, ta patience. Comment peux-tu encore pardonner? Chaque jour, je trébuche et je t'offense. Ne te lasses-tu pas de me relever? Pourtant, dans ta parole, tu l'affirmes. Tu ne briseras pas le roseau cassé. C'est pourquoi, malgré ma conscience infirme, j'ose encore implorer. J'espère en ta bonté. Et là, dans le silence, ma prière s'élance. Je ne puis rien sans toi. Ô mon Dieu, sauve-moi.
Ta parole est lumière, irisant le chemin. Ta parole est clairière en l'ombre des lointains. Elle est une fontaine où je puise la vie. Elle coule, sereine, et me parle en ami. Vers nous tu viens, Seigneur, tu nous parles aujourd'hui. Ouvrons grand notre cœur à tes divins avis. Ta parole nous cueille au creux de nos destins, bouscule nos écueils, repeint nos lendemains. Ta parole nous guide, elle est la vérité, comme une boussole par un clair ciel d'été. Vers nous tu viens, Seigneur, tu nous parles aujourd'hui. Ouvrons grand notre cœur à tes divins avis. D'abord, nous lisons au psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Et maintenant, nous chantons tous ensemble à l'unisson le psaume 23, Dieu mon berger. Le moment est venu d'une petite parenthèse historique. Jean Calvin, exilé à Strasbourg, y a découvert émerveillé les psaumes et chorales en allemand que le réformateur Martin Bucer y avait introduit dès 1524. C'est ce qui a conduit Calvin à initier la création d'un répertoire similaire en langue française qu'il a voulu baser principalement sur les psaumes. Dès ce moment, des mélodies communes ont été utilisées par les deux courants, luthérien et calviniste, telles celles du psaume 36 que nous avons entendu et dont la mélodie a été créée à Strasbourg. Les 150 psaumes ont ainsi été versifiés et mis en musique. L'aboutissement de ce travail colossal est le psautier de Genève paru en 1562 qui aura un immense succès à travers toute l'Europe. Par la suite, si certains de nos cantiques ont utilisé des mélodies de chorale luthérien, comme l'illustre notre programme de cet après-midi, il faut aussi noter qu'un certain nombre de chorales allemands, créées après Luther, utilisent les mélodies du psautier de Genève. C'est le cas notamment du psaume 42, comme un cerf altéré brame, ou du psaume 23 que nous venons de chanter. Un des principes de la réforme française était de ne chanter au culte qu'à l'unisson,
comme nous venons de le faire, afin de permettre aux fidèles de concentrer leur attention sur les paroles. Mais de nombreux compositeurs se sont emparés de ces psaumes pour les harmoniser sous de multiples formes. Le premier d'entre eux, Claude Goudimel, craignant la réaction de Calvin, justifie ses harmonisations en ces termes: non pour induire à les chanter en l'Église, mais pour séjouir en Dieu, particulièrement et maison. C'est dans cet esprit que nous vous proposons maintenant la version du psaume 23, dite en forme de motet, telle que l'a publiée Goudimel en 1557, donc 5 ans avant la parution du Psautier de Genève. Oh,
Si les pensées des plus sages dans ce monde font naufrage, si la terre saccagée est lasse de nous porter, où mettre notre espérance? Qui nous rendra la confiance? Nous trébuchons dans la nuit. Tant d'intérêts nous appellent. Nos activités se mêlent. Nous nous agitons sans trêve et nous poursuivons nos rêves. Mais un espoir nous unit. À qui irions-nous, Seigneur? Ici, simples voyageurs, nous savons que tout s'enfuit et le temps s'évanouit. Soudain, résonne ta voix et nous voici dans la joie. Seigneur, notre Dieu, écoute et conduis-nous sur la route. Ta parole est la lumière, notre vie est dans ta main. Tu nous as donné un frère qui éclaire le chemin. Maja, Maja.
Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. » Je vous invite à vous lever. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a accompagnés durant ce culte. Il sort avec nous de ce temple et il nous accompagne sur nos routes, qu'elles soient riantes ou sombres. Il est et il sera à nos côtés chaque jour de notre vie. Il nous dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Allez sur les chemins de la vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur vous accompagne et vous garde dans son amour. Amen. » Nous chantons encore et toujours pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et nous lui confions nos routes. Après le chant, nous nous rassiérons pour écouter la pièce d'orgue qui clôturera ce culte. Thank you.
Je ne résiste pas quand même à remercier encore une dernière fois le quintet du Grand Temple et Christiane Gauthier. Et puis vous dire aussi qu'il y a, je crois, un enregistrement, non seulement des pièces qu'on a entendues, mais d'autres pièces encore, qui a été réalisé, parce que c'est un programme qui a été préparé de longue date, qui a dû être reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Alors n'hésitez pas à acquérir ce beau disque à la sortie.